Wir führen ein Austauschprojekt durch zwischen verschiedenen Trägern. Terra Brasilis ist die Profi Batucada-Gruppe, Samba-Gruppe, und Lebenshilfe ist dabei mit den Teilnehmern, und aus französischer Seite Tambas aus Lyon, vom Grappillon. Und das Gute ist, dass wir hier Nicht-Behinderte mit Behinderten mischen und auf einem großen Festival auftreten und dadurch auch eine Plattform kriegen und eine Bühne haben, uns zu präsentieren. Donc déjà curieux, dès qu'ils rencontrent ces nouvelles personnes, ils sont curieux de savoir comment on dit « amis » pour demander s'ils sont amis maintenant. Ça passe bien avec mes Allemands. On joue les mêmes, un peu les mêmes instruments qu'eux. Par exemple, moi, avec des surdos, j'arrive bien avec les deux Allemands qui jouent au même surdo que moi. Bah, on fait des signes, des fois, ils comprennent un peu notre langue et nous un peu notre langue. Das war am Anfang ziemlich ungewohnt, weil man ja die Sprache nicht kennt und dann einen auch nicht verstehen kann. Entweder haben wir versucht, uns mit Händen und Füßen zu verständigen, oder wir haben immer jemanden dabei gehabt, der uns das übersetzt. Je crois que c'est un groupe cible qui n'est pas vraiment concerné par un voyage à l'étranger, par la mobilité, d'une façon un peu spontanée ou naturelle. Parce que la musique, c'est une chose, c'était l'outil de la rencontre. Mais en fait, ils sont capables de communiquer bien au-delà des mots, entre eux et avec nous. Une aventure toute nouvelle et puis en même temps un nouveau challenge, sachant que chaque échange est un challenge avec le groupe de jeunes qu'on a, et à chaque fois c'est une réussite, donc à chaque fois on part confiant.